Écoutez, je pense que la première chose, c'est la démocratie. Ça peut paraître un peu simple, voire un peu simpliste, mais c'est la chose la plus importante. Et c'est un procès qui dure encore. Donc, 20 ans après, l'achèvement de la démocratie n'est pas encore complet. Mais ça va venir. Il faut toujours rester optimiste. Et je me rappelle qu'en 89, j'avais 18 ans à l'époque, quand on est descendu dans la rue à Bucarest pour crier contre le départ de Ceaușescu, c'est à cela qu'on pensait. En fait, on voulait qu'il y ait une démocratie, qu'on ait la possibilité de choisir entre plusieurs candidats. Et heureusement, vu les élections qu'on est en train de préparer, on voit qu'on a cette chance et de vivre. Normalement, un peu comme on vivait à l'ouest et à l'ouest de l'Europe, et de pouvoir s'exprimer librement. Donc tout ça est possible maintenant. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses dont on peut dire que ne fonctionnent pas en Roumanie, mais je pense que c'est valable pour tous les pays du monde et dans tous les sous tous les régimes. Mais c'est sûr que dans un régime démocratique, c'est mieux que sous une dictature. Ça, on peut le dire parce qu'on a. J'ai eu la chance, entre guillemets, de connaître les deux. Et avant 89, c'était moins bien qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu difficile de parler de quelque chose, d'un pays, d'un endroit, quand on est impliqué, de parler comme si on le voyait de l'extérieur. Et vu mon métier, le journalisme, il est plus facile de parler justement des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui sont à l'heure. Et je vous dirais franchement que si je n'aimais pas ce pays, je le quitterais. J'ai eu l'occasion de le quitter ces 20 dernières années à plusieurs reprises, et ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Et surtout, il y avait dans les périodes où il y avait beaucoup de gens et des jeunes qui pensaient à quitter le pays, c'était surtout au début des années 90. Mais moi, j'aime la Roumanie et surtout j'aime Bucarest parce que c'est ma ville. C'est ma ville depuis toujours. C'est la vie de ma famille. C'est une vie qui a plein d'histoires. Et ce que j'adore le plus, si vous voulez, si vous me demandez une chose que j'aime dans ce pays, c'est me balader dans les vieux quartiers de Bucarest les soirs d'automne, quand les châtaigniers ont les feuilles dont la couleur tourne et les châtaignes tombent. Et c'est un bruit que j'aime beaucoup, le bruit des châtaignes qui tombent sur le trottoir. Parce que pour moi, ça, c'est Bucarest. Parler d'un peuple au général, c'est une chose que je n'aime pas beaucoup. Parce que quand on généralise, on tombe très vite dans les stéréotypes. Mais si on est honnête, on doit reconnaître que c'est par des stéréotypes qu'on juge les autres peuples aussi. Non, on pense que les Allemands sont très ponctuels, les Français cuisinent bien, les Italiens sont un peu bordéliques mais très sympathiques. Donc voilà, on a un préjugé, un stéréotype sur chaque peuple. Moi, je dirais que ce que j'aime chez les Roumains, c'est une qualité qui peut être aussi un défaut parfois, c'est le fait d'avoir de l'humour, souvent. Une certaine insouciance, et comme disait le général Berthelot, ils sont incroyablement bien désorganisés. Donc c'est vrai, ça peut déranger parfois, mais c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux que j'aime chez les Roumains et chez moi souvent. Donc ce que je dis en général, c'est que c'est un pays géographiquement magnifique. Outre ce qu'on connaît, bon, la mer Noire, le delta du Danube et les monastères du nord de la Moldavie, mais ce sont des choses dont on parle beaucoup plus qu'on ne les visite. Donc on sait que le delta du Danube est joli, on sait que le monastère sont magnifiques, mais souvent ceux qui ont entendu parler de ça ne sont jamais venus en visite ici. Donc je pense qu'il faut venir visiter d'abord la Roumanie et puis se faire une petite idée. Mais moi, ce que je leur proposerais, c'est de faire une petite balade
dans quelques villes en Transylvanie, à Brașov, à Sighișoara et à Sibiu. C'est mon trajet préféré quand j'ai quelqu'un à amener en visite pour 2, 3 jours en Roumanie, parce que ce sont des endroits très, très, très jolis et où les gens sont très sympathiques et où on sent bon, je ne veux pas faire du lobby pour une agence de tourisme, mais où on sent que les gens sont restés naturels. On ne sait pas encore pour longtemps, pour combien de temps, parce que le tourisme en masse arrive aussi, mais je pense que pour encore 10 ans, on peut aller visiter la Transylvanie sans avoir peur de se heurter à des hordes de touristes qui viennent faire les mêmes trajets que nous. Je dirais que la Roumanie est un pays européen, bien sûr, et je ne sais pas si d'autres gens que vous avez interviewés vous ont dit autre chose, parce que c'est un complexe que les Roumains ont depuis longtemps, depuis 200 ans peut-être, depuis les premières révolutions d'ici, de considérer et de faire accepter le fait que leur pays soit européen. Donc la Roumanie est un pays européen dans la mesure où on accepte que les Balkans sont européens, parce qu'on est un pays balkanique souvent par les mœurs, par la façon d'être, mais on a du mal à accepter. Nous-mêmes, nous avons du mal à accepter cela. Donc, si les Balkans sont européens, bien sûr que la Roumanie est européenne. Mais il y a quelques années, j'ai lu un essai de philosophe britannique George Steiner qui disait une chose très intéressante. On lui avait demandé de dessiner la carte de l'Europe. Et il a pensé un peu et finalement il s'est dit, bah écoutez, je pense que l'Europe, c'est l'endroit où il y a des cafés. Donc vous allez à Paris, vous avez des bons cafés. À Milan, il y a d'excellents cafés. À Copenhague, au Danemark, il y a les cafés devant lesquels passait Kierkegaard, le philosophe. À Odessa, en Ukraine, il y a les cafés hantés par les monstres de Isaac Babel, l'écrivain. Il y a peu de cafés à Londres. Il y a peu de cafés à Moscou, qui est déjà un faubourg de l'Asie. Il n'y a pas de cafés aux États-Unis, à part la Nouvelle-Orléans. Donc sa conclusion était, dessinez la carte des cafés et vous allez avoir une carte de l'Europe. Donc pour moi, la Roumanie est en Europe parce que c'est un pays où il y a des bons cafés, où on boit un excellent café. Non, non, la réponse est claire. En fait, j'ai toujours voulu être journaliste. Depuis que j'avais 14-15 ans, je voulais être journaliste parce que dans la famille, avant, entre les deux guerres et avant, au 19e siècle, on avait eu des journalistes célèbres. Donc pour moi, c'est un métier que je voulais faire. Mais je me suis rendu compte quand j'avais 15-16 ans que je ne pouvais pas du tout faire ce métier parce qu'il fallait être impliqué politiquement très fort, il fallait être membre du Parti communiste, avoir des parents qui étaient membres du Parti communiste, ce qui n'était pas du tout le cas chez moi. Donc j'avais décidé de devenir professeur du latin et du grec. Vous voyez un peu la différence. Je m'étais inscrit dans une faculté de langue classique, donc je pense que mon avenir, ça aurait été professeur de latin et de grec dans un lycée, pas à Bucarest, parce qu'il n'y avait pas de poste à Bucarest à l'époque, et je pense que dans 10-15 ans, il n'y avait pas non plus. Donc un professeur de lycée, dans un lycée en province, peut-être même à la campagne, essayant d'enseigner à des élèves qui ne sont pas du tout intéressés par le latin et le grec, mais essayant de leur enseigner ces langues classiques magnifiques. En 90, j'ai eu l'occasion de changer, donc j'ai tout de suite sauté sur cette occasion. Je pensais que c'était le moment de faire ce métier. J'ai commencé à le faire. J'ai eu la chance de vite tomber sur cette radio qui s'appelle Radio France Internationale Roumanie et qui existe en Roumanie depuis 1992. Et voilà, 17 ans après, je suis toujours ici. Mon métier n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire avant 89. Donc pour moi, 1989 a changé ma vie.